Un nouvel indice permettra-t-il d'innocenter le prince Andrew ? En une du Télégraphe, ce samedi 28 janvier, les avocats de Ghislaine Maxwell, femme d'affaires condamnée pour trafic sexuel sur mineur, ont publié une photographie de la baignoire utilisée par le duc d'York et Virginia Giuffre, au domicile des Maxwell, dans le quartier de Belgravia, à Londres. Le deuxième fils de la reine Elisabeth II a fait l'objet d'une plainte de Virginia Giuffre. Cette américaine de 39 ans l'accuse de violences sexuelles qu'elle aurait subies en 2001, quand elle avait 17 ans, dans le cadre d'un réseau de trafic sexuel dirigé par le financier Jeffrey Epstein. Si le prince Andrew a toujours nié les faits, il a depuis convenu avec elle un accord à l'amiable, d'un montant de 12 millions de livres sterling. Prince Andrew, retour sur son évolution physique. Élie Prince Andrew sauvé par la taille de la baignoire. Pour annuler le règlement, les avocats de Ghislaine Maxwell ont proposé une photographie sur laquelle on peut voir deux personnes de la famille allongées et entièrement vêtues dans la baignoire avec des masques représentant le prince Andrew et Virginia Giuffre. Les Maxwell estiment que la photo montre qu'il est impossible de s'adonner à toutes sortes de gambades sexuelles de par la petitesse de la baignoire. À nos confrères du Télégraphe, un membre de la famille Maxwell a déclaré « Je publie mes photographies maintenant parce que la vérité doit sortir. » La baignoire de la salle de bain est devenue le centre des récriminations depuis que Virginia Giuffre a prétendu y avoir été forcée de s'engager sexuellement avec le prince Andrew. Devenu le paria de la famille royale, le père d'Eugénie et Béatrice d'York a été déchu de ses titres militaires et parrainages royaux par la reine. Article en collaboration avec C-Media. Crédit photo, Bakery UK.